Bienvenue sur la présentation Ajouter et soustraire des nombres négatifs. Allez, pour commencer une question, qu'est-ce qu'un nombre négatif On va faire des petites révisions. Pour comprendre ça, droite numérique, comme d'habitude. Je place 0, 1, 2, 3, 4. Et alors, par exemple, si on a 2 plus 2. 2 plus 2, on part de 2 et on avance de 2. Unités vers la droite, on arrive à 4. Voilà, 2 plus 2 égale 4. Bon, maintenant si on fait plutôt euh, 3 moins 2. Bon, bah 3 moins 2, c'est le même principe, hein c'est des révisions. On part de 3 et on avance, de, on recule de 2 vers la gauche. 2 plus 2 égale 4, j'ai note ici, hein, 3, moins 1, non, euh, 3 moins 2 pardon, égale 1. Mais tout ça, bon, c'est très facile. Maintenant, plus difficile, combien font 1 moins 3 Ah Bon, bah c'est la même chose. On part de 1 sur la droite numérique et on va reculer de 3 vers la gauche. La seule différence, c'est qu'on va passer de l'autre côté de 0, c'est-à-dire du côté des nombres négatifs. Donc, on aura moins 1, on aura moins 2, moins 3. Alors, donc, si je commence à 1 et que je recule de 3, hop, 1, 2, 3, j'arrive à moins 2, donc 1 moins 3 égale moins 2. Je vais écrire 1 moins 3 égale... Moins 2. Alors, ça, c'est le genre de calcul que tu fais souvent dans la vie de tous les jours. Il fait très froid aujourd'hui, il fait 1 degré, admettons, et on dit que demain, on va perdre encore 3 autres degrés. Eh bien, tu sais que demain, il fera moins 2 degrés. Hein. C'est bien 1-3 le, le calcul à faire et ça fait moins 2. Alors, autre chose maintenant, quand on a un grand nombre négatif. Par exemple, par exemple moins 50. S'il fait moins 50, ça veut dire qu'il fait plus froid en fait que s'il faisait moins 20 degrés. Ça veut donc dire que moins 50 est un plus petit nombre que moins 20. Il faut aller plus loin vers la gauche pour trouver moins 50 que pour trouver moins 20. Voilà, ne fais pas la confusion. 50 c'est plus grand que 20, mais moins 50 c'est plus petit que moins 20, c'est le contraire. Revenons maintenant à notre problème du jour. Je vais effacer tout ça. En tout cas, c'était bien de revoir un peu ces choses-là avec la droite numérique, c'est toujours utile. On va faire le calcul 5 moins 12 maintenant. Et on va à nouveau tracer la droite. Numérique. La droite numérique, elle est en dessous. Voilà, elle est à peu près droite en plus. Voilà, je vais mettre ma flèche ici. Ah non, ça c'est pas une flèche. Voilà, c'est mieux. Et on va commencer tout à gauche. On va partir de moins 10. Moins 10. Moins 9. Moins 8. Moins 7. Moins 6. Moins 5. Moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'était juste. C'est pas grave, je vais mettre ma flèche ici. Et donc, on a dit qu'on partait de 5. Hop, et on va aller vers la gauche en reculant de 12. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, on arrive à moins 7. Donc, 5 moins 12 égale moins 7. Ah, et alors c'est intéressant parce qu'on sait aussi que 12 moins 5, 12 moins 5, c'est égal à 7. On va voir pourquoi on a ces deux résultats. Bon, bah ici, on calcule la différence entre 12 et 5. Et on trouve 7. Bon. Ici, on calcule la différence entre 5 et 5 et 12, ce qui revient finalement au même. On calcule aussi la différence entre 12 et 5, c'est la même chose. Sauf qu'ici, on part, on part en fait du plus petit de, de, de ces deux noms, on part de 5. On part de 5 au lieu de partir de 12 tout à l'heure. Et donc, forcément, notre résultat va se trouver dans la partie négative, ça va être un nom négatif. Allez, faisons un autre exemple. Moins 3, plus 5. Alors, et bien... Sur la même droite, on va partir de moins 3. Et on ajoute 5, donc on avance vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive à 2. Donc, comme on arrive à 2, moins 3 plus 5 égale 2. Et là aussi c'est intéressant parce que ce moins 3 plus 5 égale 2. Mais 5 moins 3, c'est aussi égal à 2. C'est aussi la même chose d'ailleurs euh, pour 5 plus moins 3. Et c'est pareil que le premier calcul, moins 3 plus 5, évidemment. On a donc vu comment additionner ou soustraire des nombres négatifs et positifs ici. Allez, on va faire un autre exemple. On va faire un autre exemple pour que, pour que ce soit bien clair. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce qu'on obtient En tout cas, fait, voilà, si on fait euh, 2 moins. Moins 3. Alors si on y réfléchit, on enlève un nombre négatif, donc les, les deux signes moins en fait peuvent être remplacés par des signes plus, ça revient à faire une addition. Donc c'est équivalent à 2 plus 3, plus plus 3 si on veut, et c'est donc égal à 5. Un autre exemple, on va faire euh, moins 7, moins 7, moins moins 2. Moins moins 2, donc là même principe, c'est équivalent à moins 7 plus 2 plus 2, on part de moins 7, si on se représente ça sur une droite numérique, on part de moins 7, on avance de 2 unités vers la droite, on avance de 1, ça fait moins 6, on avance de 2, ça fait moins 5. Et là aussi c'est intéressant parce que ce qu'on remarque c'est que si on inverse, si on fait 2 moins 7, 2 moins 7, ça fait aussi moins 5. 2 moins 7 égale moins 5. On va en faire d'autres, hein, des exemples comme ça, plus on pratique. Et mieux on comprend, et c'est important là, de beaucoup s'exercer pour que tout soit bien clair. Tu peux même faire d'autres exemples en plus de ceux que je te donne, tu progresseras encore plus vite. Pour l'instant, moins 7, moins 3. On va donc reculer de 3 vers la gauche à partir de moins 7. Le résultat, c'est donc moins 10. C'est logique, hein, parce que si on a 7 plus 3, en fait. Si on a 7 plus 3. On part de 7 à droite de 0. Et on avance de 3 cases, de 3 unités, on arrive à 10. Ici, on partait de moins 7 et on reculait à gauche de 0, de 3 cases, vers la gauche, on arrivait à moins 10. Bon. Allez, encore d'autres exemples. Cette fois, on va faire 3 moins moins 3. 3 moins moins 3, c'est équivalent à 3 plus 3. Et 3 plus 3, c'est égal à 6. Ensuite, si on fait 3 moins 3. Bon, 3 moins 3, c'est facile, c'est égal à 0. Ensuite. On va continuer avec les 3. Moins 3, moins 3. On recule 2-3 cases à partir de moins 3. On arrive à moins 6. Ensuite, moins 3, moins, moins 3, cette fois. Alors là, on a moins un nombre négatif. Donc c'est équivalent à plus, finalement. Moins 3 plus 3, c'est égal à 0. Moins 3 plus 3, je vais écrire, c'est égal à 0. Et je vais le renoter plus haut. Tiens, ça, c'est important. N'importe quel nombre. N'importe quel nombre moins ce même nombre, c'est égal à 0. On est d'accord. Donc ici, on a bien 0. Et ça marche aussi avec un nombre négatif. Hein. Donc c'est équivalent à moins 3 plus, plus 3, en fait. Toujours égal à 0. Allez, encore un autre. On va, faire, on va faire 12 moins 13. 12 moins 13. Bon, c'est facile aussi. 12 moins 13, c'est égal à moins 1. Moins 1. On se retrouve à une unité de 0 sur la gauche. Moins 1. Ensuite, si on fait euh, bah, par exemple 8 moins 5, 8 moins 5 c'est égal à 3. 5 moins 8, maintenant on inverse. Alors on recule de 8 à partir de 5, donc vers la gauche, droite numérique, ça donne moins 3. Et on va regarder ça d'ailleurs sur une droite numérique. On a 0 ici. On a 5, on part de 5 et on recule de 8 cases vers la gauche, on arrive à moins 3 d'ailleurs tiens tu peux essayer de faire ça pour tous nos exemples ce sera un bon exercice et tu devrais maintenant en tout cas avoir bien compris toutes ces opérations à bientôt vidéo et ben voilà à bientôt